Je viens du Sénégal. Je suis une femme artiste. Je crois à la lutte par l'art, toutes les luttes. Mais comment lutter quand on a faim, quand on a si peu? Je m'intéresse à la transmission par l'art, parce qu'elle forme des cœurs de combattants. Je fais partie d'une génération qui refuse la souffrance, la faim, la soif, l'ignorance, l'injustice. Je fais partie d'une génération de femmes aux aptitudes de lionne. Je sais qu'avec l'art, on peut avoir un impact sur nos conditions de vie. Venir à Saragossa, c'est une autre étape d'apprentissage. C'est une autre étape pour rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations que moi. Lutter pour l'être humain. Y luego a Matam, que está a cuánto estaba, 800 kilómetros. Bueno, pues chicos, ya ha llegado el día. ¿Tenéis ganitas de que nos vayamos a Senegal? Con ganas de ir para allí, preparar maleta y conocer todo esto que nos has ido contando estos días. Uh-huh. Sí, porque los proyectos de las aldeas, ¿no? De potabilización de agua, de nutricional, tienen muy buena pinta y yo creo que va a ser una experiencia brutal verlo. Uh-huh. Y bueno, todo el tema artístico, ¿no? La búsqueda esa de los diferentes colectivos con los que has ido contactando y también con ganas, ¿no, Sergio? De conocerlos, de interactuar con ellos y ver un poco qué nos encontramos, qué nos pueden aportar y qué les podemos aportar, ¿no? Sí. A mí me apetece ver qué proyecto traéis para Salto. Intentaremos traer buenas referencias y luego elegirlas aquí entre todos, sí, para qué podemos traer de allí. Porque seguro que todo es bastante diferente a lo que estamos aquí acostumbrados y bueno, veremos, ¿no? A ver. Con ilusión, vamos allá. Sí, eso siempre. En nuestra casa esta tenemos un taller de telas o de alfarería típico de la zona. ¡Qué guay! Y mi joven le contó a los artesanos hacer un taller de lo que yo Africa, mon Afrique, nous baillons te baillons à Africa, mon Afrique, mon de demeure. Hale ya ni deo, hale ya ni te chike Africa, mon Afrique, mon de demeure. Hale ya ni deo, hale ya ni te chike Afrique, mon de demeure. Se khale dite Some home the dirt will never Le pujam tigero
Africa, man of Mandate my side. El viaje, ¿no? El viaje hasta Mata, la calor. Largo y duro. Sí que me ha llamado la atención que hay una cosa que yendo por las carreteras de España no se ve, que es gente joven, al final, ¿no? Y dices, no, que con qué poco, pero a su vez con qué capacidad de futuro, ¿no? Por lo menos por tener el músculo de la juventud. La sed que hemos tenido durante el viaje. Sí, sí. Sí, venimos a ver el tema de proyectos de agua, tema de... El hambre de momento no nos ha... Los estómagos los tenemos bien. Sí. Estamos todos sonrientes. A ver, mañana que nos vamos encontrando. Sí, no, ya hemos estado viendo un poco el acceso al agua como tiene aquí la gente, pero sí que es verdad que mañana veremos un poco más dentro de un poblado cómo acceden al agua y un poco las posibilidades que ellos tienen para sacar ese agua, tanto para beber como para cultivar, como para lo que hablábamos, ¿no? Que al final el agua es lo que da la vida. Entonces mañana os haréis un poco más idea y lo veréis un poco más de cerca allí mismo. Y bueno, también un poco el objetivo que tenemos también mañana es que vosotros veáis esa situación también para que luego de alguna manera el arte que vosotros hacéis, ¿no? El arte con el que vosotros trabajáis todos los días pueda transmitir eso que estáis viviendo aquí en España y podamos transmitir mensajes, ¿no? Que creéis que podremos hacerlo, ¿no? Pues desde luego que es un reto, por mucho que veamos en la tele o por otros medios. Lo que aquí pasa, desde luego que lo que creo que lo vamos a ver mañana, pues va a superar cualquier imaginación, cualquier expectativa que tengamos, y a ver cómo influye eso, ¿no? En el reto de trasladarlo, pues en este caso a Zaragoza y a donde se llegue, pues lo que se puede hacer a través del arte, ¿no? A través de la expresividad de las personas, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Mañana veremos. Pero vamos a hacer buena mezcla. Sí, seguro. Matar, Babu, merci, Fatou, ça va. Bueno, os han deseado la bienvenida a este pueblo que se llama Grasel y os presento un poco Sergio y Alfredo, que hacen proyectos artísticos en España y font des projets artistiques en España avec nous en collaboration pour pouvoir transmettre les messages d'action contre la faim, que on peut finir avec la faim. Y os presento un poco a ellos. Él es Matarba, es el jefe del proyecto WOS en la región de Matam, y él es Babu, que es el que ejecuta aquí directamente en este pueblo los proyectos de WOS, de agua y saneamiento que hacemos. Así que bueno, vous pouvez nous raconter un peu le projet que vous faites. En fait, on avait un projet de 8 mois qu'on avait mis en œuvre ici dans le village. Et ce projet comportait deux facteurs. On faisait le WOS, mais aussi la nutrition à côté. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici à Gasser, il y a un problème d'eau. Vous voyez, les gens sont depuis le matin jusqu'au puits. Les puits ne sont pas couverts, il y a des problèmes. Donc c'est pourquoi on a mis des fuites bio sable ici dans toutes les familles, dans toutes les concessions, pour que les gens consomment de l'eau potable. Mais derrière ces fuites-là, on donnait aussi de l'eau de Javel et de l'aqua taps. Donc, le débit de gaz est là, environ 0,6 litres. Quand l'eau quand le dispositif est rempli, le débit est plus grand. Maintenant, quand ça descend jusqu'à atteindre le niveau ici, ça
On est venu, on a trouvé vraiment une situation alarmante sur la malnutrition. Beaucoup d'enfants étaient malnutris modérés. Donc, mais il fallait prendre le temps. Il fallait mettre vraiment le focus sur ce village. Mettre le focus, voir quel est le problème. Mais on a su que vraiment il y a un problème d'eau qui se posait. Donc on a réglé ce problème-là. Juste avant la fin du projet, on s'est retrouvé avec zéro enfant malnutri. El Babu, el pequeño Babu. Babu Galuchara. Oh, sí. ¿Pran? ¿Yepé? Uy. Mira el pequeño Babu. Qué mojito. Te está dando el sol, amigo. Está ahí. Tiene una semanita. Sí, una semana. Una semana, ¿eh? 7 días. ¿Cómo? Él es né depuis 7 días. ¿O tenía el banqui, vale?10 días. Mi nene ne wade amen na fore ha he sabu ardi fo de adde amen ko laabal adi laabal gal ko gila ndiyam ndiyam celludam ndiyam min jarano dam dam wona celludam on jiri gire mon do woyndu he on jiri bo gidi no jahara ina gartirni ndiyam dam sellan min batti ardi ndiyam celludam ko ne barile mon de naati wurunde ko refte en ko gila e sukaabe tokos mbati yar ndiyam celludam natti arede deedi dogoje pure en fo natte hewde mu en wurongo fita laabi ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas tenéis en vuestra cultura? Como el moro di min chacha koton min bada chumti gab min bada gude chanyade min bada star min ngama konga min konga leydi daner e leydi boder min duppo dubuje min bawlina duma bawla min bada bula min bada he Tante Fenkana. Von Mittel muss man ja gehen. Tante Fenkana. Von Mittel muss man ja gehen. Die Kinder, die gehen, die mich angehen. Bueno, estamos en el pueblo de Anda, en uno de los huertos comunitarios que hay en este pueblo y que ayuda mucho para evitar la desnutrición, ¿no? Y a tener una alimentación variada y a poder tener acceso a otros alimentos diferentes. Ella es la presidenta del grupo de mujeres que trabaja en este huerto y el legume y el fon ici dans les jardins. Min bara barais karoten y fosonglijin foka min bara c'est pour la consommation de la famille ou c'est aussi pour la vente min yama he so urte min ye normalmente es para el consumo de la familia lo que aquí trabajan y si hay un exceso de producción ellas van al mercado a venderlo. ¿Qué ha supuesto este proyecto para la comunidad? ¿Hay una diferencia de antes y después? Indenya na yi kursi ACF adani min pinal manga adani min laba
addi woyndu alaano ombode wadi hen ombode yontere yontere fof kadi ne fitte wuro ngo laabi woyndu ndu laabi min dañi kadi hakkillaaji serndude kadi ɗum ɗo ko ndiyam celluɗam ɗum ko ndiyam ñawɗam fof ko ACF. Si les hace más fuerte tanto a los críos que los están manteniendo con estos alimentos como esa fortaleza de que ya son las propietarias del espacio, ¿no? Esa fortaleza de decir, nosotros somos los que mandamos aquí, o sea, lo hemos vivido al entrar aquí al espacio. Mindañ sardinga ko alhamdulillah lijim fof andina wodi ko safrata kala lijim no wodi ko wadata vitamine ned min ciodoyta min ciodoyan yahanda ko tigere wala matam cioda lijim hande natti ay har sardinga mata gadda mbada e barme ma ay wiata gorko hokkam bo soodo kadi suka bebe chance ko jiida hen ko kadi hala ACF ha hande mi gaynani kadi be tawno do suka be feblube wonbe rouge wala wonbe zo fo be chafra dum en ha sella be gaddan dum chonele ruuyuji fof be dokku dum en potuji fo ha cebodo mo be donkani hen fo kadi be naw dum do ha ufta regional fo ko golle ACF. But little must my eye, donc nous sommes ici à Anda. Il y a la municipalité de Saragossa qui a financé ACF pour des projets d'appui à la lutte contre la malnutrition infantile en essayant d'intégrer le WASH et la nutrition parce que ce sont deux composantes qui vont ensemble. Les activités, d'abord c'est dans l'amélioration de l'eau potable. D'abord, on a commencé avec les villages qui n'avaient comme source d'eau que le puits. D'où la raison de la mise en œuvre des filtres biosables pour aider les populations à rendre plus potable leur eau. Dans cette activité, il y a d'abord la mise en place du filtre, mais aussi on les appuie avec des produits chlorés, avec de l'aquataps et de l'eau de Javel. Il y a aussi derrière ça une forte activité de sensibilisation, de mobilisation sociale. Et les enfants qui sont dépistés MAM sont pris en charge au niveau de la communauté. Vale, bueno, os voy a presentar a este es el doctor Jin. Aruna Jen, que trabaja con nosotros con Acción contra el Hambre y es el referente médico y bueno, él es mayor, sí, que trabaja en el hospital, es un médico del hospital de aquí de Urusogui que trabaja para el gobierno senegalés y ellos trabajan juntos para el tema de la desnutrición. Entonces, bueno, vamos a preguntarles un poco lo que hacen. ¿Vos pueden nos contestar qué fue tu leyó sobre la malnutrición? Voilà, pour la malnutrition, moi, en tant que membre d'Action contre la faim, je suis là pour appuyer nos collègues de l'hôpital de Urusogui. Donc ce que l'on fait, c'est qu'eux, ils reçoivent les enfants, ils les examinent, ils les hospitalisent si nécessaire. Et nous, Action contre la faim, on les appuie dans la formation du personnel, dans la disponibilisation des médicaments ou le remboursement, dans le paiement des factures et également pour la restauration des mamans. La particularité à Urusogui, c'est que l'hôpital reçoit beaucoup d'enfants malnutris. Mm-hmm. Pratiquement, on peut dire que la cause la plus fréquente, l'une des causes la plus fréquente d'hospitalisation, la malnutrition en fait partie. Et Urusogui est le plus grand hôpital et a le niveau technique le plus élevé pour recevoir les enfants malnutris. ¿Cuántos niños al mes, por ejemplo, ingresan o entran por primera vez para que les hagáis un diagnóstico? Por moi, en moyenne à Urusogui, si c'est en dehors des périodes de pic, on hospitalise en moyenne 7 à 10 enfants. Maintenant, si c'est en période de pic, en moyenne à Urusogui, on hospitalise environ 20 à 23 malades par mois. Parfois même, il nous arrive d'avoir jusqu'à 30, mais 30 c'est le maximum. Maintenant, il y a un crène qu'on appelle le crène de cannelle. C'est le crène qui a la plus grande capacité de réception de malades. Cette crène, en période de pic, peut recevoir jusqu'à 50 masses par mois. Mm-hmm.
¿Cómo fueron los inicios del proyecto aquí en el hospital y el desarrollo durante todo este tiempo? On constate qu'il y a eu une nette amélioration concernant les indicateurs de l'hôpital pour la malnutrition. Les années passées, on avait un taux de décès un peu élevé, mais cette année, et même depuis l'année 2015-2016, on constate quand même une diminution progressive du taux de décès avec une augmentation du taux de guérison, donc une amélioration. Également, côté technique, on constate que maintenant, le personnel a de plus en plus d'expérience, de capacité technique à gérer seul les cas de malnutrition. Donc, c'est vrai, il reste toujours du travail à faire, mais quand même, ça s'est bien amélioré sur le côté technique et également sur les indicateurs. Si vous constatez qu'il y a une diminution des malades, parce qu'il y a une bonne sensibilisation, parce que le partenariat de ACF et le niveau de TAR, ça ne se limite pas seulement sur le traitement médical, mais si on fait une sensibilisation sur toutes les causeries. Même au niveau communautaire, il y a des agents ACF qui sont là-bas, qui vont jusque dans les maisons. Et ça, on apprécie cette collaboration. Ça me ferait déjà penser à l'accès universel à la nourriture, de sorte que tout le monde accède à la nourriture, une nourriture suffisante, mais également de qualité. Pour moi, c'est la démocratie. Vous savez, quand on parle de la démocratie, c'est chacun a droit à quelque chose. Je pense que c'est la démocratie dans l'alimentation. Parce que chaque personne a droit à une alimentation en quantité et en qualité suffisante. Donc, pour dire que toutes les personnes ont droit à une bonne alimentation et surtout les enfants. Bueno, chicos, ¿qué tal ha ido el día? Sí, un día intenso. Día intenso. De emociones. De emociones, de experiencias, de calor. Está guay, está guay. Sí. Yo me lo esperaba de otra forma, en el sentido igual de... Eso, algunas cosas que te pueden impactar de una forma pues, más negativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, me ha gustado mucho ver algo... Que vamos, no sé si había visto ni por la tele, vamos. ¿Con ganas ya de irnos a Dakar y de empezar a ver otras cosas? Tengo muchas ganas de ver el Dakar, pero no me apetece ver un Dakar cosmopolita. El conocer, el seguir conociendo la cultura como hemos conocido en los poblados que hemos estado, pero yo creo que ese, en otro punto. Sí, en ese punto vamos a conocer, yo creo, que hay diferentes relaciones en el tema cultural y puede ser bastante interesante. Sí, yo creo que sí. Mañana seguimos nuestro viaje y llegamos a Dakar y ya veremos. Inshallah. Inshallah. Bien arrivé. Bien arrivé. Je vais te présenter Alfredo. Enchanté. Sergio. Enchanté. Ça va, vous allez bien? Bien, bien, merci. Bien installé.
Sí, muy bien instalados. Sí, Amadou es un amigo mío y hoy nos va a acompañar un poco para la visita que vamos a hacer en Dakar. Nos va a llevar a varios sitios que él conoce, de diferentes artesanos, artesanos de la madera, artesanos un poco que hacen, hay mucha gente aquí en Senegal que hace cosas con latas recicladas, como baúles, pequeñas figuritas. Y iremos también a una galería que se llama Kermadi Ganad y ahí hay gente que hace diferentes cosas con también materiales sobre todo reciclados. Entonces veremos un poco las tres cosas y ya veremos si nos da tiempo de alguna cosita más. Qué, qué ganas, ¿eh? Día perfecto. Día perfecto. Sí. Tu peux nous raconter où est-ce que nous sommes et quand est-ce que vous avez commencé à être ensemble en coopératif de Kermadi Ganad et quel est ton travail et comment tu fais les animaux. Tu peux nous raconter un peu, s'il vous plaît. En fait, ici on est à Mermoz, rue 116. Mm-hmm. Ici c'est une coopérative composée de 25 artisans créateurs. En fait, il y a une dame qui s'appelle Marie-Paul. Maintenant, à chaque fois, elle nous invite chez elle. Maintenant, le moment qu'elle part, qu'elle retourne en France, elle nous a dit pourquoi pas de prendre quelque chose qui appartient à vous-même au lieu de partir chaque fois dans les expositions ou bien d'attendre quelqu'un qui vous invite. Mm-hmm. Nous tous, on est d'accord. Maintenant, c'est elle qui a fait cette sélection. D'artistes. Oui, mm-hmm. Elle a appelé les artisans jusqu'au nombre de 25. Maintenant, elle nous a réunis, elle nous a mis avec sa copine, c'est sa copine qui nous a donné cette maison-là. Mm-hmm. Maintenant, depuis cela, on se débrouille nous seuls. Donc, la science, c'est lui qui t'a enseigné la technique et aussi t'a inspiré aux animaux. En fait, c'est lui qui m'a enseigné. Mm-hmm. Parce que lui, son maître faisait des personnages. Mm-hmm. Maintenant, lui, il est sorti, lui aussi, il a fait des animaux. Peut-être mm-hmm. moi aussi, si je serais seul, je vais faire des plantes. Je vais créer d'autres choses. Oui. El proceso de elaboración de las piezas es papel y engrudo, ¿verdad? Comment je fais? En fait, les animaux, moi, je prends toujours les papiers. Ouais. Mm. C'est ça qu'on utilise souvent, les magazines. Mm-hmm. On utilise les magazines et un peu de fil de fer pour les pattes. Mm-hmm. Et ici, les becs, on les fait avec du calendrier parce que c'est le papier, c'est un peu fragile, donc on prend le calendrier mm-hmm. pour qu'il soit un peu dur, quoi. Dure. Oui. Et après, on le recouvre avec du papier craft. Si tu fais la forme après, si tu as fini, tu recouvres avec du papier craft parce que ça le rend plus solide. Mm-hmm. Et ça sera encore plus facile à faire la peinture. Mm-hmm.
Bon. Eh bien, okay, amis, les gars, merci beaucoup. Je suis très content de vous. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Ok, amis, merci beaucoup. À la prochaine. Allez, bye. Bye. Au revoir. Bon estamos en el en Sumbenyus, en la zona donde los carpinteros hacen todas esas figuritas de madera en ébano y teca. Y aquí tenemos un poco a la persona que gestiona esta zona y le podemos, bueno, presentar algunas preguntas, ¿no? Que nos cuente un poco cómo trabajan aquí. Sí, es interesante verlo, nos ha absorbido ya el ruido en el momento en el que estamos. Y está guay, sería interesante saber cómo trabaja, ¿no? Las diferentes Ajá. fases que hay en el taller. Ajá. Ouais. On coupe le bois, t'as vu, on le casse, on donne, on fait des petites têtes. T'as vu, sur l'instant, il fait des têtes en bois d'ébène. Mm-hmm. Ok? Quand c'est fini, quand il finit le travail, on donne le finisseur, on fait la finition du deck. Rien. Présente, c'est la Conga. Alors, moi personnellement, j'ai commencé le graffiti en fin 2014. Pour moi, l'art, le graffiti, c'est une énergie qui se transmet. Para ellos, ¿qué diferencia hay entre el graffiti y el arte urbano? Pour moi, le graffiti, ça va au-delà de l'art urbain. Bien vrai qu'on peut, ici au Sénégal, on l'associe aux arts urbains. C'est bien possible. Parce que l'art urbain, c'est quoi en réalité? Pour vous. Casi cualquier manifestación artística en la calle, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros en el contexto de nuestro festival lo ceñimos más a artes plásticas o intervenciones en el espacio público. Todo aquello que rompe lo cotidiano, que rompe con el día a día, ¿no? Puede ser un mural, un graffiti, una pompa o una modificación de mobiliario urbano o detalles casi que pasan desapercibidos. Y en esa mentalidad, tanto en el festival como de recuperar todas esas tradiciones, como esa mentalidad como colectivo, como crew o como artista individual, aquí lo tienen completamente claro, dónde tienen que hacerlo, cómo hacerlo, sus pasos. En el caso de trasladar esto a otro país, ¿ellos cómo lo pensarían en realizar? Au-delà de la culture sénégalaise et de la culture africaine, il y a ce qu'on connaît tous, l'humain. On est tous avant tout humains, donc il y a des valeurs humaines qu'on a tous en commun. Et ces valeurs humaines-là, que tu sois africain, que tu sois européen ou asiatique, il y a ces valeurs humaines-là qu'on se doit de préserver. Alors transmettre nos valeurs sénégalaises ici au Sénégal, c'est pour ne pas... pour ne pas que les gens oublient, pour ne pas que les gens délaissent. Mais arrivés dans un autre pays, eux, ils n'ont pas besoin de nos valeurs, nous à nous, parce qu'ils ont leurs valeurs à eux. Bien sûr, ils peuvent les connaître, mais le fait de transmettre un message plus humain et beaucoup plus commun à tout un chacun, ça sera ça le message. Et non pas ce que j'ai ici pour les gens d'ici, et les amener pour d'autres. Pour moi, c'est parce que dans la démocratie, il y a la paix. Il y a la paix ou quoi?
si dans un pays qui est démocratique, il y a la paix, quoi. Ouais. Et s'il y a la paix aussi, donc tu peux manger, l'aliment, tu peux manger, tu as... Mais s'il y a la guerre, tu n'as pas le temps de faire de tête. Tu n'as pas la famine, tu es faim, tu n'as pas... Parce que tu cherches à fuir, tu n'as pas... Mais s'il y a la démocratie, je pense que dans la démocratie, il y a la paix. Pour moi, c'est le grand partage. Pour moi, le grand partage. Parce que la démocratie, c'est plus comme ce que évoque la démocratie. Alors, si c'est allié à l'alimentation, donc c'est pour tous, en fait. Le projet là existe depuis quoi, 2013? Ça existe depuis 2013. On est 7 structures à travailler sur ce projet. Et chaque structure est spécialisée dans un domaine des cultures urbaines, dans une expression bien précise. C'est ici qu'on fait des formations sur le graffiti, comme sur l'écriture, comme sur le DJing. Et comme aussi, on coach des jeunes qui ont eu à bénéficier sur un fonds que, MCU, fonds d'appui aux cultures urbaines, qu'on a installé ici pour booster certains projets qui ont besoin de départ. On les aide. Mais avant, ces personnes-là qui ont ces projets-là, ils sont formés et suivis par rapport à un professeur qui est avec nous. Estamos viendo dos vídeos, nunca repetimos el mismo espacio. Nosotros también lo vamos moviendo, como decía Sergio, cada año del lugar, precisamente para fomentar que las actividades culturales no siempre se realicen en el mismo sitio de la ciudad, que normalmente es el centro, ¿no? El downtown de la ciudad, sino que entendemos que la cultura debe extenderse a todos los rincones de la ciudad y por esa razón vamos moviendo el festival. Queremos saber de cada uno de vosotros y vamos a empezar por deferencia con la primera mujer grafitera de Senegal. Ok, un poco como todo el mundo, un poco como todos los grafers, c'était tout simplement le besoin d'expression, de sortir de la feuille de papier A4, de sortir du tableau et d'aller sur un mur, un espace beaucoup plus grand, pour avoir un moyen d'expression beaucoup plus large, histoire de pouvoir mieux sortir, mieux partager ce qu'on a envie de partager avec les autres. Mon inspiration, c'est la vie de tous les jours, c'est le fait de voir. Donc je suis le plus inspirée quand je suis assise sur une poubelle. Ça a l'air dingue, mais bon. C'est ça, ou bien quand je sors, je marche, je suis dans les... Donc, ce que je vois, les va-et-vient, la vie extérieure, ce qui se passe. Bon, moi, je suis un graphiste. Contrairement aux gars, ils font des graffitis sur les murs, moi, je le fais sur les t-shirts. Donc, je fais du streetwear. Et j'ai une marque que j'ai créée avec un ami, Jean-Marcel, qui s'appelle Juan Marcello. On l'a fait depuis 2005. Donc nous, notre technique, c'est d'essayer de faire parler les t-shirts. On ne fait pas des t-shirts comme... On ne suit pas la mode. On fait dans le streetwear, mais aussi on a une particularité à travers nos collections. On s'inspire de la civilisation égyptienne, de la civilisation Maasai et de la civilisation Zoulou. Donc on arrive à faire des mix
sur un design et avec un peu la culture sénégalaise dessus, on arrive à faire des t-shirts dessus. Okay. Moi, c'est Omar Krak, artiste graffeur sénégalais. Bon, le côté graffiti, je me limite pas, mais je me concentre surtout sur les lettrages, parce que le graffiti à la base, c'était des lettrages. J'ai voulu conserver ce côté, mais surtout le côté wild style, qui est un style vraiment apprécié par les graffeurs. Ce qui m'inspire, c'est les réalités de la rue, hein, comme Zenix vient de le dire, mais aussi surtout les films surréalistes. Parce qu'en les regardant, on est dans l'au-delà, on voit autre chose. C'est d'autres personnages dont on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce qui m'inspire en fait. Bon, moi, c'est Jazz, artiste graffeur sénégalais. Pour moi, le graffiti, ça me permet de transformer cette énergie en moi en quelque chose de positif et de le partager avec les autres. Ouais. C'est ça, quoi, pour moi, le graffiti. Moi, je me nomme Aliou Ndiaye, connu sous le nom de Sang. Je suis artiste graffeur. Je suis plutôt spécialisé en portrait. Je fais des reproductions d'images parce que ce qui m'attire plus du graffiti, c'est cet aspect culturel, cet aspect de partage, de sensibilisation. Et je me dis que moi, en tant que personne, Africa. Et bon, c'est un peu le travail qu'Action contre la faim y fait, et surtout au Sénégal, je vous ai expliqué un peu. Moi, je gère la délégation d'Aragon, et c'est là-bas où on fait les projets de sensibilisation. Et c'est depuis des ans qu'on a la collaboration avec le festival Asaltant. Et ici, il y a Alfredo et Sergio, qui sont des personnes qui font partie de la production du festival. Et ils vont vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le festival Asaltant. Muchas gracias por acogernos en vuestra casa y en vuestro barrio. Y nada, simplemente estamos aquí para explicaros un poco qué es Festival Asalto, que es un festival internacional de arte urbano, donde utilizamos la calle como espacio de expresión en múltiples disciplinas artísticas, en el que podemos encontrar murales, instalaciones y muchos trabajos. Llevamos 12 años trabajando en la ciudad. Alfredo y yo somos parte de la producción, faltarían dos compañeros más, que son Isabel y Luis, y entre los cuatro somos desde el principio los que hemos estado gestando este proyecto en la ciudad. Nos hemos traído un regalo. A los artistas que vienen a nuestra ciudad les hacemos la entrega de una pequeña bolsa para los materiales. Queremos conocer de ellos dónde nos encontramos ahora mismo y conocer un poco el trabajo, que nos expliquen un poquito sus técnicas, su trabajo, y luego si podemos pasear y conocer la Medina. Moi, je suis Cheja. Je gère un peu cet espace-là. Et cet espace existe bien avant ma génération. Je fais partie de la troisième ou quatrième génération, voilà, qui sont dans cet espace. Qui accueille des ateliers et qui accueille aussi des expos. Des fois, c'est comme une galerie, des fois, c'est comme un atelier, des fois, c'est comme ça. Mes dernières créations, c'est ces trucs-là qui vont être déclinés sous forme de vêtements, sous forme de vidéos, sous forme de, tu vois, et voilà, et un tout petit peu ce que je fais. Assalamu alaikum. Malakoum salam. Moi, c'est Black Roux. Mon vrai nom, c'est Mata, mais mon nom d'artiste, c'est Black Roux. Je fais la musique, en même temps la peinture comme des portraits, des collages, des paysages. Un peu d'abstrait, tu vois.
Yo comencé a trabajar avec Nico depuis 2010. Dans un premier temps, je peux dire que c'est moi le corps, presque le coordinateur ou bien le responsable du projet à la Médina. Parce que c'est moi qui habite là-bas, dans le quartier où on fait les trucs, où il y a le musée. Nous tous, on est des enfants de la Médina, mais moi, je suis né à Damas, tu vois. Malikoum, Madok. Yes. Néma Madok. Oui. Madok. Ningendef. Ça va. Dans la vie, j'ai une mission. Et ma mission, c'est d'être immortel. Et l'immortalité, pour moi, c'est ce qu'on peut donner. C'est notre part de contribution pour que le monde se questionne et que tout le monde avance. Et pour ça, mes outils, c'est l'art. Et dans ce gros bol qui est l'art, j'utilise toutes sortes de disciplines. Ça peut être l'écriture, ça peut être la photo, ça peut être la vidéo. Ça peut être le slam, ça peut être la danse, ça peut être la couture, ça peut être le quilt, ça peut être n'importe quoi, pourvu que je trouve un bon sujet qui préoccupe tout le monde et qui est un médium qui apparaisse dans ma tête et me dise « ce sujet, on va le traiter en dansant » ou « ce sujet, on va le traiter en écrivant », etc., etc. C'est ce que je fais dans la vie. Je suis un activiste de rue. Quand je dis actrice de rue, je fais du graffiti et tout ce qui sensibilise les gens à comprendre ce que je fais. Et je fais des actions à travers des écoles, dans les centres sociaux, et dans les hôpitaux, comme tels que les hôpitaux psychiatriques et tant d'autres. Quoi. Et ma mission est de faire comprendre ce que je fais et aussi de... que les gens qui ne sont pas sensibilisés ou bien qui ne sont pas initiés à l'art de ce que je fais, ce qui est l'art de la rue, qui est le graffiti ou l'art urbain. Ndoïdout, plasticien. J'ai fait les Beaux-Arts à Dakar en 1999. Donc j'ai soutenu un mémoire de plein d'études sur les quartiers populaires dans son désordre architectural. Et depuis, je fais des expos un peu partout, des échanges. On travaille en groupe avec Chéra, Fadou, on fait pas mal de choses. Échange, tout ce qui est échange nous intéresse en fait. Nos invitáis y nos animáis a ver vuestro barrio, la Medina. Vous pouvez nous amener voir votre quartier, la Medina? Bien sûr. Sí. Bien sûr. Allez, vamos. Nos vamos. Fait la force mon homme donné Sénégal nous dit que j'aime chacun on y dégage ni des sol quand nous jarignons il nous fait la force mon homme donné Sénégal nous dit que j'aime chacun. C'est en 2010. Ils ont refait, il a refait en 2016. Ah, que lo habían hecho al principio en el 2010. Pero como estaba muy deteriorado, lo volvieron a hacer en el 2015. Volvió a venir. Es el español que ha una femme senegalés. Es un español que está casado con la mujer senegalesa que nos hemos visto otros en Mudabé. Es la amiga de Nico. Es la amiga de Nico. Es la amiga de Nico. Ya puelante, muy sosembol. Dimbalante, ya puyariño. Te llevo sañón, cuy modo amba de lureum. Japalante moy sa sembol dimbalante ñepp jaarino bu ñepp defon yaaw afegem kanam le débat interne c'est que chacun mûrisse son goût et il n'est pas question qu'un artiste dise à l'autre qu'il s'éloigne ou qu'il ne s'éloigne pas.
C'est pour moi, ça me parle de ça. Est-ce que c'est ce qu'on a mis devant pour gérer le futur des populations ou le bien-être des populations? Est-ce qu'ils sont en train de faire leur travail? Est-ce que le travail qu'ils sont en train de faire a atteint la profondeur de l'endroit où, quand je dis du pays, est-ce que ces gens qui en ont besoin, est-ce que cette démarche ou cette politique les touche? Aussi, est-ce qu'ils ont mis d'une manière à que les gens puissent accéder à l'eau potable? Est-ce qu'ils ont une terre à cultiver? Est-ce qu'ils ont des semences à pouvoir cultiver? Tout ça, pour moi, ça doit parler de tout ça. Parce que pour moi, les aliments, c'est un mot qu'utilisent les riches. Parce que les pauvres, ils ne peuvent pas utiliser ça parce qu'ils n'ont pas des aliments. Il y a la faim partout. On ne peut pas parler d'aliments. On parle de la faim, de tout, mais on ne peut pas parler d'aliments. Ce n'est pas le sujet chez les pauvres. Es necesario en este mundo que haya alimentos para todo el mundo. Y nosotros estamos trabajando mucho esta idea de un derecho a la alimentación. Cuando se habla de democracia, se habla de un estado de derecho. Y creo que el derecho de tener acceso a la alimentación es un derecho del ser humano. En Senegal, lo que pasa es que Senegal está sufriendo una crisis alimentaria y nutricional desde hace varios años, en lo cual Acción contra el Hambre, que abrió sus operaciones en 2012, tuvo que responder. La situación en el norte de Senegal es particularmente preocupante debido primero a una crisis climática. Siempre empieza con una sucesión de incidentes climáticos como sequías. Hubo en Senegal en los años 2010 tres episodios de sequías muy fuertes, muy agudas, cuando normalmente se supone que hay uno cada 15, 20 años. Este incidente climático no puede explicar toda la situación de crisis alimentaria y nutricional. Todo eso está más que todo debido a una situación de vulnerabilidad bastante fuerte en términos primero de vulnerabilidad sanitaria. En esta zona, los servicios de bases sociales, tipo el servicio de salud o el sistema de acceso al agua y saneamiento, es muy débil. Y eso puede explicar mucho también una cierta fragilidad de la población frente después a un incidente climático. El apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza para nosotros es muy importante. Primero porque es un actor que nos apoyó durante tres años, estamos en el tercer año del apoyo, y para nosotros nos permitió brindar toda una asistencia al acceso al agua y saneamiento en la zona más afectada por la malnutrición aguda, que es la región de Matam. Y esta parte del arte para mí es tan importante porque nos permite también de hablar con su propia cultura a una población. Hablando este lenguaje universal del arte nos ayuda mucho en convencer a la gente en cambiar prácticas y también hablar del problema. La nutrición es un problema que sufre mucho de no ser hablado. Cuando se habla de nutrición ya estamos en el camino de cambiar y de curarla. Dirim le ci creiam
dirim la ci kër bayam dirim la ci kër mbokam dirim la ci kër haritam ak gisul ko ay Je crois à la lutte par la... toutes les luttes. Mais comment lutter quand on a faim, quand on a si peu? Je m'intéresse à la transmission par la... parce qu'elle forme des cœurs de combattants. Je fais partie d'une génération qui refuse la souffrance, la faim, la soif, l'ignorance, l'injustice. Je fais partie d'une génération de femmes aux aptitudes de lionne. Je sais qu'avec l'art, on peut avoir un impact sur nos conditions de vie. Venir à Saragossa, c'est une autre étape d'apprentissage. C'est une autre étape pour rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations que moi. Lutter pour l'être humain. Je m'appelle Fatou Kandé. Je viens du Sénégal. Je suis une artiste parce que je veux parler au monde. Y también Raquel de Acción contra el Hambre nos va a apoyar un poco en esta charla. Así que os dejo con Fatou Kandé. C'était important que je sois la première à produire quelque chose localement, en tant que femme, en tant qu'enfant élevée par la culture hip-hop. Para nosotros el arte es una forma de transmitir y hace de altavoz para transmitir el mensaje que tenemos, que es que somos la primera generación capaz de acabar con el hambre y que el hambre tiene solución. Dentro de este mensaje tan potente que queremos transmitir, utilizamos diferentes disciplinas artísticas para transmitirlo y una de ellas ha sido el arte urbano. Este es el segundo año que tenemos un proyecto con el Festival Asalto, en colaboración con ellos. Para acheter de la nourriture. Je me suis alors empressé de sortir et de m'expliquer. Elles m'ont interdit de toucher. Faire un petit résumé sur ce que tu as vu ici à Asalto et les artistes de Asalto. Qu'est-ce que tu en penses?
la qualité que je trouve dans les événements plus restreints, plus familiaux, plus profonds, pour moi, c'est le gage de la qualité. Parce que dans un environnement comme à Salto, où l'on voit finalement que la qualité du travail a cette magnitude-là, fait que ça me ramène à la notion de rituel, à la notion divine, parce que c'est impossible qu'un être tout seul ait la puissance de produire des œuvres d'une certaine taille, d'une certaine intensité, sans avoir une aide particulière. Qu'est-ce que tu en penses sur l'union, sur les liens qu'on a créés entre Salto, Action contre la faim et le Sénégal? Quand on dit à quelqu'un qu'il a faim, il le prend très mal. Donc quand il est associé à de l'art et à des artistes, c'est la meilleure formule au monde. Donc je pense que c'est une action collective qu'il va falloir porter plus haut, plus fort, et de dire ok, voilà, nous sommes des artistes, nous faisons un travail créatif pour initier le dialogue. Et dans le dialogue, toutes les thématiques qui passent, la santé, la faim, la soif, tu vois, l'éducation, et parce que tous ces sujets nous concernent, nous, les êtres humains. Donc je pense qu'on a trouvé le bon cocon. Et qu'un cocon, quand il fonctionne bien, c'est un papillon qui en sort ou un autre insecte, mais c'est quelque chose qui a de la vie qui va arriver. Bueno, nos encontramos en lo que este año es el Espacio Salto, el headquarter, como bien sabéis, el cuartel general de todas las actividades, talleres, conferencias y donde varios artistas también han intervenido ya sobre el espacio. Aquí forma parte Fatou Kandé de este festival. Ayer nos dio una charla impresionante al respecto del arte y las mujeres y ese proceso creativo en Senegal. Es un proyecto creado junto con Asalto y con Acción contra el Hambre, y de hecho, si veis una cámara que nos está grabando todo el rato, si alguien no quiere aparecer que lo diga, es porque me ha puesto un micrófono para luego cortarlo y hacer el documental de esta acción. ¿Preguntas, dudas? Pues comenzamos. Bueno, chicos, ¿cómo ha ido el Festival a Salto? Pues muy bien, la verdad que el descentralizar, el salir a otros barrios está funcionando súper bien, los vecinos están muy contentos, los artistas están haciendo un trabajo espectacular, todas las actividades han sido un éxito y, bueno, muy contentos. ¿Y cómo valoráis un poco la actuación de Fatou, la acogida de Fatou Kandé aquí en el festival, su intervención? Pues la verdad que ha sido muy enriquecedora. La verdad que la idea que teníamos desde los inicios, cuando la conocimos en Senegal, ha surgido muy guay. Ella se va a ir con un buen sabor de boca, ha conocido otro planteamiento de tipos de festivales y yo creo que la relación también con los artistas ha estado muy, muy interesante. Entonces, cuando se relacionan los dos conceptos, fabricamos leonas. Pues si queréis, nos vamos a Senegal de nuevo. Lo tuvimos en el hospital. La impresión de la habitación de los pequeños, sí, con ese tumor, con ese labio leporino. La verdad que impactaba. Sí, y eso que era el comienzo, ¿no?, de la peor época, ¿no? Bon, écoute, c'est une bonne chose quand on comprend que la nourriture, c'est pas seulement la quantité que l'on met dans son corps, mais c'est la qualité. Veías a las madres que estaban súper contentas, que estaban sus hijos bien atendidos. Era la pasión de los médicos, lo de Acción contra el Hambre, con su apoyo, de cómo se dejaban ahí la piel y, bueno, intentando hacer un país mejor. Los huertos, como el huerto donde estuvimos y un poco lo que vimos con las mujeres, cómo trabajan en el huerto y yo creo que también un poco el hecho de cómo nos acogieron
también habla del trabajo, ¿no? Que Acción contra el Hambre hace allí, que llegas, te acogen, te enseñan y te agradecen, ¿no? Todo lo que hemos trabajado codo con codo y hemos conseguido cosas buenas y ahora tenemos un resultado positivo. Y la fortaleza de la mujer, ¿no? en esas aldeas y en conjunto. C'est l'indépendance déjà, c'est à ce moment-là que les femmes apprennent à être indépendantes et à être autosuffisantes, même si on leur dit qu'elles ne le sont pas. Y bueno, ya por último, un poco un resumen de lo que vimos en Dakar, de un poco de los artistas que encontramos y aquí es donde más gozo, Alfredo. En términos de arte urbano sí que notábamos mucha diferencia, ¿no? Como el arte urbano que o el graffiti que se hacía aquí hace 10, sí, 15, 10, 15 70, años. 80. Le graffiti est très social, il a des messages, il est un peu didactique comme ça. Et maintenant, il est temps de se départir et d'avancer en proposant un art urbain inspiré de ce qu'il y a dans la ville, parce qu'il y a tout dans cet espace urbain, et de nous inviter à reconnaître les situations, parce que c'est en les reconnaissant qu'on peut les corriger. Mama, hey Wimbledon, mama, hey Nana, mama. Eh, ande kam adun or yara do, to bangi porat, demu karazi, no wa ina enen kam eden jadi, abu yimbi fo goro, ay goro uran godo. Ñam du yandu de démocratie hadi ko sahande ko affaire lijimaaji Aliman Kassia, c'est le système politique qui permet l'accès à la nutrition pour tout le monde. Ça s'inculque tôt pour qu'au bout on y arrive tous ensemble. Et parce que ça s'inculque trop, parce que ça s'inculque très tôt, ce sont les artistes le vecteur. C'est eux qui vont le porter vers les enfants, vers leurs mamans, vers leurs éducateurs, vers leurs parents. Et c'est ça qui va faire sa réussite. C'est ça qui va faire que ça va être un système approprié par tout le monde. Ça va faire partie des human rights. Mama, hey, nana, ma. Liyan mi landam landam ya makoy ni tal. Liyan mi landam landam ya makoy ni tal. Ya yumay. Nala ya boy. Mama, hey, we begin, mama.